À l'occasion du mois du féminisme, Alice Coffin, élue écolo au Conseil de Paris et militante LGBT et féministe, était de passage à Rouen, Seine-Maritime, dans le cadre d'une conférence à la Friche Lucien. Ce mercredi 16 juin 2021, une dizaine d'individus, pour la plupart des hommes d'une vingtaine d'années, ont perturbé l'événement en interpellant l'intervenante. La violence de l'extrême droite s'accélère et se banalise. Des passages à l'acte qui laissent craindre le pire. Réagissons, a tweeté le porte-parole du mouvement Génération. Estomac porte face à l'arrivée des éléments perturbateurs. Solidarité avec Alice Coffin agressée par des masculinistes. Le mouvement féministe a une tradition profondément pacifiste. Par les temps qui courent, j'invite tout le monde à en prendre de la graine, a de son côté posté Clémentine Autain, députée de la 11e circonscription de Seine-Saint-Denis. Autant de tweets dénonçant une agression. Un terme qui n'a pas été utilisé par la principale intéressée et qui invite à se demander ce qu'il s'est exactement passé ce jour-là. D'autant plus que du côté adverse, cette perturbation semble davantage faire rire que d'inquiéter, à l'image de ce tweet du site d'extrême droite Boulevard Voltaire qui écrit avec ironie sur Twitter, Alice Coffin agressée par l'extrême droite. Soutien à la militante qui a reçu des fleurs, c'est d'une violence inouïe. Selon Chloé Argentin, conseillère municipale de Rouen et témoin oculaire, un homme s'est bel et bien approché de trop près d'Alice Coffin, il s'est retrouvé à quelques centimètres d'Alice Coffin. Il avait un costume cravate, et un bouquet de fleurs dans les mains s'est retrouvé à quelques centimètres d'Alice Coffin. Pendant qu'un autre filmait, le jeune homme s'est mis à genoux en tendant le bouquet et a dit « Je sais que vous n'êtes pas de ce bord-là, mais pourquoi n'aimez-vous pas les hommes ?» Des propos lesbophobes qui ont fait craindre le pire à la sécurité. Des personnes dans le public et de la sécurité sont rapidement intervenues. En réponse, il y a eu des bousculades. Mais ça n'a pas dégénéré, seulement des violences verbales, a précisé Chloé Argentin. Plus de peur que de mal. À voir aussi, Édouard Philippe travaille sur une fiction qui parlera de politique et la rédaction à lire aussi Adblock Test. Why?